Pas facile de marcher avec ça. Mais se faire de nouveaux amis est encore plus difficile. Oh, elle a l'air sympa. Elle semble un peu occupée, mais... Bonjour. Tu oses perturber l'heure de mon goûter? Du blanc. C'est juste du jus. Tu vois? Ah. Oh. Est-ce que tu en veux? J'en veux encore. Mords-moi. Par ici, tout va bien. Hein? T'es un poisson? Burk, pas question que je mange du poisson. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'aime que les garçons vampires. Au revoir. Je vais te montrer ce qu'est un vampire. Oh, une liste de vérification pour les vampires. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Il contient tout ce dont j'ai besoin pour être un vampire. À commencer par la peau pâle. Ça devrait être assez facile. Tout d'abord, j'ai besoin d'un fond de teint. J'utilise le dernier nez des cosmétiques Starfish. C'est ce qui convient le mieux à mes traits écailleux. Maintenant, assurez-vous qu'il s'agit de la bonne teinte. C'est bien. C'est ici que les choses se gâtent. Écrasons-les. C'est plus si dur maintenant, n'est-ce pas? Maintenant que c'est de la poudre, il est temps de la mettre sur mon visage. Nous allons avoir besoin de beaucoup de poudre pour ce look. Heureusement, j'en ai plein les bras. Ça a marché? Wow, j'ai l'air d'un vampire! Je pourrais m'arrêter ici, mais je veux terminer cette liste. Avec cela, le premier point est fait. Passons au suivant. Le maquillage? Ma sœur Ariel les a probablement ici. Oh là là, mauvais tiroir. Il faut juste que je trouve le bon matériel. Pourquoi pas en dessous de ça? Rien. Ça va être difficile. Oh, un encas. Chanceux. Attendez, on dirait une couleur vampirique. J'ai une idée. Je vais prendre un dernier coup de langue. Ensuite, je l'applique sur le contour des yeux. Non, c'est pas nécessaire de s'inquiéter de la perfection. Nous avons opté pour un regard creux, après tout. Qu'en est-il? Les dents ne font pas partie du relooking. C'est une bonne chose. À part cela, cette métamorphose se passe plutôt bien. Maintenant, passons au point suivant. Coiffure. Du gâteau. Je suppose que non. Allez. Ouch. Ça fonctionne pas. J'ai besoin d'autre chose. Vous allez m'aider ou bien... Ce sera rapide, je vous promets. Maintenant, détendez-vous. Êtes-vous prêt? J'ai juste besoin d'un peu de jus de fruits et de gel pour les cheveux. Merci. Maintenant, c'est à vous de briller. Littéralement. Qu'est-ce qu'un vampire sans paillettes, n'est-ce pas? Ces paillettes feront l'affaire. Ah ah! Essayons! Waouh, je vais briller jusqu'à Jupiter avec ça! Allons-y! Waouh, j'espère que l'apparence est aussi cool que l'impression que l'on en a! C'est une bonne chose! Hein? Ils sont coincés! Superbe! Il est temps de cocher un autre élément. Passons à celui-ci. Des dents pointues? J'ai rien qui ressemble à ça. Il faut que j'en trouve. Commençons par ici. Burk, faisons ça vite. Non, Burk. C'est le vieux papy piranha. Il a toujours cette morsure, hein. Attendez une seconde. J'ai une idée. Je les poserai sur le dessus comme des facettes. Maintenant, j'ai des dents pointues. Merci. Hein? Je n'en ai besoin que de deux. C'est bien. Eh bien, c'était rapide. Maintenant, je n'ai plus besoin que de deux choses. Commençons par les jambes. Des jambes? Je n'ai absolument pas cela. J'ai une idée. Ma vieille tante Ursula a une solution pour ça. Il ne me reste plus qu'à faire une potion. Maintenant, voyons. Waouh! Tante Ursula est partie avec cette recette. C'est si facile. C'est parti. Tout d'abord, je vais déposer un cœur de licorne dans le pot. Waouh, c'est une grande éclaboussure. Ensuite, j'aurai besoin de larmes de Bigfoot cristallisées. Il suffit de retirer le couvercle et de l'ajouter. Tu connais le meilleur moyen de faire pleurer Bigfoot? Il suffit de leur montrer des vidéos de chats mignons. Ça devrait suffire. Maintenant, où vas-tu, mon pote? Pas si vite. Tu vas dans le pot. Maintenant, il est temps de mélanger. C'est de ça que je parle. Ça marche? Je sens que mes jambes commencent à se former, mais ça ne va pas assez vite.
Allez, on y va! Bravo, j'ai des jambes! C'est parti! C'est bien comme ça qu'on marche, non? Je vais tomber! Waouh! Mais, au moins, j'ai des jambes! C'est presque terminé! Et maintenant, le dernier! Tenue! Ah, je devrais vérifier ma garde-robe! Voyons ce que nous avons ici! Des araignées? Je vais pas me transformer en Spider-Man! Ah, quoi qu'il en soit, je commande sur Vampizone. On y trouve toute la dernière mode. Votre commande est arrivée. Ah, ouais, j'ai l'air cool maintenant. Ça fait pas trop vampire. Ça ne va pas avec la tenue. Oh, il est livré avec des accessoires. C'est génial. Dracula, je viens pour ton trône. Il y a un nouveau vampire cool dans le quartier. Je suis prêt. Maintenant, terminons cette liste. La tenue, c'est fait. Je suis prêt. J'ai entendu dire que quelqu'un cherchait un vampire cool. La recherche est terminée. Hey! Oui? Hein? Comment ça va aujourd'hui? Waouh, t'es tellement beau! Bien sûr, je t'embrasse. Hein? Les baisers sont interdits dans l'enceinte de l'école. En retenue tous les deux. Ah, qui a décoré cet endroit? Le directeur a des goûts intéressants. Coucou, il y a quelqu'un? Qui ose me réveiller de mon sommeil réparateur? Vous vous moquez de moi? N'y fais pas attention. Eh bien, fiston, que puis-je faire pour toi? Quel clown! Ah, qu'est-ce qui ne va pas, fiston? C'est une perte de temps. Qu'est-ce que tu veux? Timmy, tu dois être plus responsable. Ah oui? D'accord, fiston. Bonne chance. Quoi? Il a laissé son badge de directeur? Attendez, je suis le directeur maintenant? D'accord, je peux le faire. Je dois juste être à la hauteur. Et... consommer beaucoup de caféine. Ah, c'est bien. Ah, comment les personnes âgées font pour boire ce truc? Oh, il est temps de changer l'école. Je ne pense pas que les enfants soient prêts pour ça. Le nouveau directeur est dans la place. Et j'ajouterai qu'il a fière allure. Directeur, je ne pense pas. Quoi? J'ai quelque chose de mieux en tête. On aurait dû refaire ce portrait depuis longtemps. Ce n'est pas suffisant. Bip bip! Maintenant, tout le monde saura qui est le responsable. Le grand gars au skateboard vous regarde. Quoi? Hé! Je suis en train de faire pipi, là. Qu'avons-nous là? Boum! Et un pour toi. Hein? Et voilà! Quoi? Monsieur le directeur? Quoi? C'est qui, lui? Oh, regardez! Bonjour à tous! Je suis le nouveau directeur de cette école! Sérieusement? Hein? D'accord! Règle numéro 1, fini le code vestimentaire! C'est donc chose faite! Hein? Wow! Mais, c'est génial! Timmy, tu es trop cool! Incroyable! Mais... je suis concierge! D'accord! Bien. C'est quoi cette odeur? Ça vient de la cantine? Hein? J'ai de nouvelles règles. Pas d'ail, d'accord? Quoi? Quel gâchis! Oh! D'accord, jusqu'ici tout va bien. Mais attendez, qu'est-ce que c'est? Trop de bécotage. Ah, faut que ça cesse. Maintenant! Ouch! N'embrassez que Timmy! C'est nul! C'est beaucoup mieux! Oh non! Timmy! Oh mince! J'ai nulle part où aller! Ici! C'était moins une! Mon émission préférée! C'est trop ennuyeux! Écoutez-moi, aujourd'hui nous apprendrons à connaître... Je déteste interrompre, mais ça ne va pas du tout!
Réveillez-vous! Hey! On ne dort pas en classe! Ça me rappelle que... Maintenant qu'on s'en est occupé... Bravo! Bon appétit! Enfin! C'est fini tout ça! Voilà ce que nous allons servir! Et ça s'applique... Maintenant! Des yeux! Oh! Dégueulasse! Je veux récupérer mon argent! Laisse savoir, c'est le pouvoir! Regarde-moi ce vilain garçon, tu es à moi! T'es sûr de vouloir manger ça? Qu'est-ce que tu fais? Ça a disparu! Ah ouais! Très drôle! Maintenant, ouvre grand! Où se trouve donc cette chose? Ah! Je l'ai! J'ai dit, pas de nourriture normale! Compris? Tu vois ce coin là-bas? C'est spécialement pour toi! Quoi? S'il te plaît, ne fais pas ça! J'ai fini ici! Continuons! Oh, ça fait beaucoup de squats! On dirait des brioches bien fraîches et chaudes! Le simple fait de les regarder me rend... assoiffé, bien sûr! Faut que j'y aille! Je veux rencontrer ces superbes dames! Surtout celle-là! J'y vais! Ouh, charmant! Waouh! Oh, hé, les filles! Pardon? Je crois que je me suis trompé! Désolé! Je vais me mettre ici! Comment pourrais-je avoir des fesses comme ça? Ou ces dames ici? Bon, ok les filles! Les filles, faisons-le ensemble! Oh, sors d'ici, s'il te plaît! Les filles, regardez! Hein? Ces fessiers peuvent faire du jus fraîchement pressé! Je n'ai jamais vu de tels muscles! Waouh! Alors, faisons-le! Faisons-le! Et de 1... J'ai fini! Hein? Qu'est-ce que vous faites? Il est temps de changer! Tu sens ça? Et... squat! Oui, c'est ça que je veux voir! Continuez à bouger! Allez! Qu'est-ce qui se passe derrière? Waouh! Ça fait du bien! Oh non! Oh, pas moi non plus! Oups! À bientôt! Reviens ici! Je peux pas me lever! Les grandes brioches s'accompagnent de lourdes responsabilités. Et maintenant? Je m'ennuie! Allez, allez! C'est nul! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors tu veux parler d'argent, hein? Quelqu'un a entré un code de triche pour les Simflouz? Maintenant je peux acheter tout ce que je veux. Ne soyez pas jaloux, on va se déchaîner. Matez ça! Je parie que vous n'avez jamais vu une telle pièce de malade. Et le plus génial, c'est que tout est à moi. Je peux faire ce que je veux ici. Allons-y! Plus de joueurs? Zut! Mais je peux pas jouer avec des gens! À moins que... Traquons les gens pour voir qui peut se joindre à moi! D'accord, j'ai accès à la caméra... Mais que fait cette fille? Elle sent son paix? Qu'est-ce qui se passe dans la cuisine? C'est le cuisinier? Tu voles de la crème fouettée, hein? Qu'en est-il de la salle de classe? Marie, Luna et Joe! Dans le bureau du directeur, maintenant! Est-ce qu'on a des ennuis? Enfin, vous êtes là! Bien! Jouons, les gars! Que le plus grand homme gagne! Ou plutôt, vampire! Je gère! Quoi? Pourquoi vous applaudissez? Faut vraiment que je travaille sur mon jeu! Vous allez le regretter! Ça craint!
m'en parle pas. Je suis allergique à la poussière. Bon, je suis sûr de gagner à ce jeu. Raté. Je suis le meilleur. Oui, il était genre... Salut les filles. Aujourd'hui, nous allons dessiner. Oui, oui, ne soyez pas surprise, hein. Maintenant, regardez bien. D'accord, je... Voyons voir. Ça a l'air intéressant, mesdames. Mais je vois quelque chose de totalement différent. Regardez-moi ça. Ça ressemble à la couronne d'un roi. Ouais. Jetez un œil. Je suis tellement beau. Edward Cullen ne m'arrive pas à la cheville. Enfin bon. Soyez attentive à tous les détails, les enfants. Et la bien, pose... Bien, bien, bien. Bouge. Oh, je ne veux pas. Hé, hey, j'ai dit bouge. C'est mon tour. Je pense qu'il pourra la faire. Je suppose qu'on doit recommencer à zéro. Voyons voir. Elle m'aime bien. J'ai tellement soif tout d'un coup. Oh là là, il a l'air si épais et rouge. Waouh, regarde sur sa peau. J'en ai besoin. Hé, hey, tu as bougé. Et mince. Surprise. Qu'est-ce que... Quoi? C'est pas du sang. Il a bien dit sang. Quoi? Ce n'est que de la peinture. Burk, c'est ta faute. Ouch! Je ne fais pas de skate! Attention! Tu as ruiné ma peinture! Bravo! Un A+. Quoi? Attention les enfants, ce test est très important. Hé! Hey! Psst! Ah, zut! Oh, je n'y arrive pas. Bon, ça suffit. Vous n'en avez plus besoin. Hé, hey, c'est mon test. Écoutez. Bonnes vacances, professeur. Cool. Youpi, merci. Qu'est-ce que... On aura une leçon en VR. Boum, bébé. Le prof est occupé. Essayez de ne pas vous croiser. Wow! Où suis-je? C'est de la nourriture? Pourquoi est-ce que je n'avance pas? Prends ça! Qu'est-ce que c'était que ça? C'est si paisible. Voilà le crescendo. Qu'est-ce que c'est? Wow! Regardez-les courir dans tous les sens. Oups! Attention! Les gars, soyez prudents! Les gars, c'est le monstre! À l'attaque! Attendez! Attrapez-le! Oh zut! C'était moi une! Faut que j'y aille! Allez, saute! Saute! Quoi? Ils font du skateboard dans le couloir! J'ai beaucoup trop de travail! Changez ça, s'il vous plaît! D'accord! Il n'y a plus de règles! Génial! Donnez-moi ce truc! Pas de règles! C'est génial! Y a plus de règles! C'est parti! J'ai attendu ça toute ma vie! Détachez-vous les cheveux! Je suis cool! Pas de règles! Il est temps de faire ressortir le Picasso qui sommeille en moi! En plein dans l'île! Mon émission préférée! Que pensez-vous de la chirurgie plastique? Oui, c'est tout à fait naturel! Et la question principale, combien avez-vous dépensé pour vos lèvres? Comment osez-vous? Le chaos règne dans le lycée du sud de la ville. Notre reporter est sur place. Bonjour, Sam. Bonjour, c'est la folie ici. Nous sommes en direct du lycée Lala et je n'ai jamais vu rien de tel. Timmy, qu'est-ce que tu fais? Oh,
C'est mon école. Bonjour, je m'appelle Sam et j'ai une question. Vous êtes donc un cheval? Stop! Diriger une école n'est pas une mince affaire. Ah, papa va me tuer. Ah, une seconde. Je sais! Tu peux être plus rapide que Flash, tu te souviens? Je dois courir avant la fin de la journée d'école. Stop! Que se passe-t-il? Ah! Si je peux vraiment arranger les choses ici, la famille Cullen devrait me prendre dans son équipe de baseball. Garde tes fesses sur ce siège. Assieds-toi. Ton doigt va ici, comme n'importe quel jour normal. Plus de temps à perdre. Ça risque de faire un peu mal. Quel est le problème ici? Ah, des explosifs, je vois. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Problème résolu. Vas-y, finis ce que tu avais à faire. Le siège des toilettes est peut-être froid. À bientôt. Oh oh, est-ce qu'il joue à Street Fight ou quelque chose comme ça? C'était un Hadouken? Alors oui, il n'y a aucune chance que ça se termine bien. Ici, la violence n'est tout simplement pas la solution. Ouf. Bien joué. Mais remplace la peinture par cette délicieuse friandise. Maintenant, ouvre grand. Et voilà. Hein? Où suis-je? Hein? Du ruban adhésif? Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Qu'est-ce que... Ça va exploser. Est-ce qu'on est des intellos maintenant? Cool. Timmy, que se passe-t-il ici? Oh, bonjour papa. Laisse-moi jeter un coup d'œil ici. Intéressant. Super, Timmy. Mais maintenant, tu seras directeur pour toujours. D'accord, j'arrête. Attends, quoi? À plus. Non. Hein? Oh, d'accord. Hey, tu veux sortir? Ça me va. Déjeuner est servi. Bonjour, Emily. Je peux... Pensez ta blessure avec un sparadrap. C'est mieux. Attention la prochaine fois, d'accord? Merci, mon prince ténébreux. Il est tellement mignon. Concours d'Halloween. Je devrais participer au concours d'Halloween pour l'impressionner. Oh, j'ai failli oublier de fermer la porte. Non! Hein? Mes sens de vampire frétillent. J'arrive! Je suis toujours en un seul morceau. Tu vas bien? Oui. Viens ici. Je dois y aller.